Ce tableau, en fait, est une interprétation de l'artiste Mister Deo, Monsieur Deo, artiste portugais très connu, qui nous présente en fait l'histoire de Dina, 17 ans, qui est une fille qui était à l'école, une Cambodgienne, qui était à l'école et qui, pour payer ses études, en fait, commence à travailler. Donc elle commence par faire des petits boulots en tant que en fait elle travaille dans une voilà elle travaille elle travaille dans une enfin, elle travaille effectivement dans une maison et puis pour gagner un peu plus elle travaille dans un hôtel qui est effectivement un hôtel de passe, mais bon elle fait juste son travail jusqu'au moment où elle est violée, et puis ensuite on la pousse et en fait on commence à la trafiquer sans même qu'elle s'en rende compte, et donc elle doit abandonner l'école, elle se retrouve à être prostituée, et aujourd'hui en fait elle est prostituée et elle aide d'autres prostituées, mais elle est complètement tombée dedans, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle a honte et elle n'arrive pas à en sortir. Donc la traduction de l'artiste, en fait ce qu'il a voulu faire, c'est présenter Dina sous deux angles, l'angle effectivement où elle est battue, où elle souffre, et en même temps si on cachait un côté de l'œuvre, en fait on aurait la vision de Dina, cette belle fille, cette fille voilà qui aurait dû avoir une enfance extraordinaire et heureuse avec le phare de paupières, etc. Donc c'est assez fort, l'espoir et la rose. L'espoir et la rose, tout à fait.